Marié depuis plus de 20 ans à Pauline Doussot de Basignan, Bruno Le Maire est l'heureux papa de 4 enfants, Louis, Adrien, Mathias et Barthélémy. Si le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance est assez discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée, si est à la surprise générale qu'il a partagé un magnifique cliché de son petit dernier sur Instagram. Sur ce dernier, seule la crinière blonde du petit garçon apparaît. Dans sa main, il tient un lapin en peluche qui semble avoir bien vécu. En légende, Bruno Le Maire a partagé avec tendresse, le difficile réveil du vendredi matin, bonne journée à toutes et à tous. Sous le charme, les internautes ont commenté, là sont les vraies valeurs Bruno, si est-il l'essentiel de la vie. Point que si est-il mignon, tellement chou. Je suis de plus en plus fan, vous êtes humain, terriblement humain, authentique ou normal comme disait l'autre. Changez rien. Mais aussi, Doudou lui aussi un peu fatigué. En 2016, si est à l'occasion d'un entretien accordé à Gala que Bruno Le Maire avait expliqué comment il avait trouvé un équilibre auprès de ses 4 fils, la politique est une vie qui emporte tout. Ce sont les rapides du Grand Canyon 7 jours sur 7. Nous sommes mariés depuis près de 18 ans avec Pauline, nous avons vécu 10 ans à ce rythme et puis, elle a dit, stop. On ne peut pas continuer comme cela, pour la famille cela devient irrespirable. J'essaie donc de mieux assumer ma part de charge familiale. Même en campagne, mes équipes savent que je réserve des moments pour faire les courses, jouer au tennis avec mon aîné ou aller acheter des vêtements pour le petit dernier. Ils n'ont pas à payer pour mes choix politiques alors qu'il est une personne médiatisée, l'homme politique révélait également comment il expliquait son travail à ses fils, je leur parle le moins possible de politique. Je me contente de répondre à leurs questions lorsqu'ils en ont. Ils ont été pris à partie à cause de mes prises de position sur le mariage pour tous. Je le regrette, ils n'ont pas à payer pour mes choix politiques. Plus généralement, leurs soupirs lorsque j'évoque mon passé de ministre me remettent les pieds sur terre.